Hello, bienvenue sur le monde de Judith. J'espère que vous allez bien et que le moral aussi est top. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petits pois à la viande. Oh, avec ses épices et tout ça. C'est parti. Là, nous allons commencer par découper notre viande en morceaux. Ensuite, nous allons aussi ciseler nos ailes et émincer notre oignon. On va ajouter à notre viande dans une casserole. Nous allons y ajouter du sel. Ainsi qu'un verre d'eau. On va mélanger à l'aide d'une spatule. Ainsi, on va couvrir et le mettre à cuire pendant une demi-heure à peu près. Pendant ce temps-là, on a mixé oignon et aussi tomate. Une fois que l'eau a tari dans la viande, on va venir y mettre notre mixture. Ça sent déjà bon. On va y ajouter de la tomate concentrée. On remue. On y ajoute aussi un peu d'eau pour bien faire cuire la viande. C'est parti encore pour une demi-heure de cuisson. Après une demi-heure, on vient vérifier et détacher la viande. À ce stade-là, nous allons ajouter encore une fois de l'eau. On va couvrir pour 20 minutes à 30 minutes. Oui, parce que la viande de bœuf est très a du mal à cuire. Nous allons ajouter du cube d'assaisonnement si on en consomme, bien sûr. Ensuite, nous allons mettre nos épices. On mélange le tout. Ça sent très bon. Nous allons rajouter notre huile, toujours à sa convenance. On va venir ajouter nos petits pois et un peu de carottes qui ont été décongelées. On remue le tout. Rajoute un peu d'eau, un verre d'eau, on couvre. On fait cuire pendant à peu près 10 minutes à un quart d'heure. Et une fois qu'on a vu qu'il n'y a plus d'eau, notre petit pois est cuit. Voilà, on laisse encore 5 minutes et on va passer. Voilà, on vérifie que notre huile est en train d'apparaître. Et là, c'est bien cuit. Et bon appétit, ça sent bon. Ça y est les amis, notre petit pois à la viande est prêt. N'oubliez pas de partager, de liker, d'activer la cloche hein, pour encore d'autres recettes. Oui, on va couper le pain, hein, comme on le faisait au pays. On va couper le pain comme ça. Au moins, on pourra le mettre au milieu, les petits pois avec la viande. Oh là 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 là.
Je sens déjà le goût au chat. Allez, c'est parti pour le service. Pas possible, hein? Voilà ça ouvre avec le pain ou sans pain. Le goût. Le goût. Bisous les amis. À la prochaine. Une nouvelle recette. Et n'oubliez pas de pratiquer une activité physique. Très important. Et là, je fais un petit footing histoire d'éliminer les toxines et tonifier mon corps. À bientôt pour une nouvelle recette.